Bon début de soirée, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette présentation de la soirée du basket. Alexandre Tourigny, toujours en compagnie de Karine Côté, pour ce match entre le Rouge et Or de l'Université Laval et les Citadins de l'UQAM. Bonjour Karine. Bonjour Alex. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, donc, Rouge et Or contre Citadins, on peut s'attendre à un grand match. Mais Karine, lors de la première rencontre du Rouge et Or, ça n'a pas très bien été pour eux. Oui, il est fort de parier que l'Université Laval ne voudra pas rester sur cette cuisante défaite du 12 novembre dernier au PEPS de l'Université Laval. On en avait parlé samedi passé, défaite de 79-48 aux mains des Stingers de Concordia. On se rappelle que le Rouge et Or était vraiment en panchesse, seulement 48 points, seulement deux joueuses à plus de 10 points. Je parle de la recrue Catherine Grolot avec 10 points et bien sûr Marie-Michelle Genois avec 14 points. Ce qui avait vraiment fait la différence lors de cette rencontre au niveau des rebonds, Concordia avait dominé 64-41. Pourcentage au niveau de la ligne des lancers francs, aussi au niveau du Rouge et Or, 50%. Ça fait mal quand on pense que c'est des points donnés. Karine, tu parlais des rebonds. Anne-Marie Prophète pour Concordia, 14 rebonds à elle seule, 18 points. On pourra d'ailleurs voir